bien communiquer, si tu veux. Pour arriver à se comprendre, il faut bien utiliser les concepts, les mots. Oui, mais il n'y a pas dans ce cas. À un moment donné, c'est vrai que si on s'est bien entendu tous sur ce qui existe vraiment, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de. Mais pour communiquer, si tu veux, pour parler, pour cheminer ensemble, on est obligé d'utiliser les concepts. Je suis obligé d'utiliser moi je suis en train de parler là maintenant, je suis en train de dire ça. Je suis obligé d'utiliser ça. Ouais. Mais je sais, au fond de moi, que c'est un jeu. Je sais que c'est un jeu. Un jeu. Un jeu dans cette illusion de croire que c'est vrai. C'est la même chose. C'est très simple. Il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. C'est le problème, c'est peut-être d'arriver à réorganiser les concepts pour pouvoir formuler et pouvoir donner l'explication. Enfin, une explication. Pour pouvoir communiquer. C'est ça qui est difficile. Mmh. Mais sinon, c'est très simple. Ici, là, c'est très simple. Vous voulez dire quelque chose? Non. Mais c'est marrant quand vous avez dit d'accord. Non, mais je trouve que on accepte, même si c'est pas. On peut encore rentrer dans un déchirement de tout le concept, de tout le machin pour prouver, pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, je trouve que vivre en voulant prouver quelque chose, ça crée beaucoup de problèmes. Parce que moi, personnellement, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit ici. Hein. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour vous enseigner quelque chose, pour vous dire que c'est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tu sais, ça, c'est ton problème. Parce que, tu vois, quand on commence à vouloir croire qu'il y a quelque chose à être donné à quelqu'un parce que j'ai l'expérience, j'ai ceci, j'ai cela, tu sais, moi je suis rien quelque part, je suis rien, et parce que je suis rien, eh ben, je peux m'adapter à tout en fait, et c'est pas grave que l'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, il y a juste un moment où on arrive à un peu mieux se comprendre, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand on cause comme ça, il y aura quelque chose qui va s'installer et qui sera vrai et qu'on va savoir que c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on essaye de forcer sur qui que ce soit, c'est quelque chose qui est là et on le sait. Quand tu sais la vérité finalement, elle n'est pas là-bas, quelque part, quand quelqu'un a dit tout ça, non, ça c'est pas la vérité. La vérité, c'est quand tu as je sais maintenant, quand tu as saisi, quand tu as ça tombé sur toi comme un choc et tu t'es réveillé. C'est ça la vérité. La vérité te fait réveiller de ton cauchemar, de tout ce que tu penses, de tout ce que tu crois, de tout ce qu'il y a dans ta tête, parce que notre tête nous raconte plein de choses. C'est quand il n'y a plus rien à prouver que, comme tu disais, peut-être qu'il n'y a plus le mot, il n'y a plus le mot, il n'y a plus le concept, il n'y a plus rien. Et là, on est face à soi-même. On n'est pas face à l'autre. Parce que l'autre, c'est toi-même. On n'est pas en rivalité avec qui que ce soit. On est en rivalité avec soi. C'est soi qui est le problème. Il n'y a pas l'autre. L'autre n'est pas le problème. C'est toujours soi qui crée tous les problèmes dans ta vie. Tu vois? Et quand tu as vu que tu es ce mensonge, que tu essaies de. Tu as des trucs dans ta tête, dans les expériences, tout ce que tu fais, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu essaies de mettre en place, tout ça, c'est des choses qui est voulu pour qu'on puisse. Il y a quelque chose à accomplir. Moi je dis qu'il n'y a rien à accomplir, il n'y a pas de but dans la vie. On n'est pas là pour se convaincre. On est là pour vivre un moment où il y a
plus moi, ou il y a nous. Tout d'un coup, on est connecté avec quelque chose de commun. On est sorti de notre petite bulle et on arrive à se comprendre parce qu'on est en dehors de la bulle sur un sol commun. Et ce sol commun, on le sait tous quand on est dessus. On le sait. Au fond de toi, tu le sais. C'est pour ça que tu vois, il n'y a personne sur cette planète qui doit te dire comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire et comment tu dois vivre. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et garde-le. On le dit à nos enfants, parce qu'ils sont encore petits. Hein? Nos enfants. Oui. Moi qui suis maman d'une petite fille. Comment je vais lui dire comment se comporter? Oui, oui, bien sûr. Déontologie, dans la façon déontologique de notre société, ben, il faut pouvoir manger avec des fourchettes et un couteau. On lui dit, mets pas ton doigt dans la prise de courant. C'est des choses qui sont importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on n'a rien à enseigner à nos enfants. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de savoir comment aimer. Ils savent aimer. Et tu dois les apprendre d'eux. C'est eux qui vont t'apprendre ça. Ils aiment inconditionnellement. Exactement. Et c'est de ça que je parle. Tu vois, on n'a rien à apprendre à personne. Dans ce domaine psychologique-là, il n'y a que toi qui peux vivre ça. Et quand tu l'as vécu, alors tu es libre de tout ce qu'on peut raconter sur la face de la planète Terre. Parce que ce qui est vrai parce que c'est l'ultime. C'est quelque chose qui ne peut pas être démantelé en division. On ne peut pas le diviser. La vérité ne peut pas être divisée en ce que tu penses et ce que je pense. La vérité, c'est quelque chose qui est un seul tout. Et ce seul tout doit être vu d'une perception d'un coup. Si tu le vois de plusieurs morceaux, tu vas casser la vérité en mille morceaux. Et tu vas dire, moi je connais, toi tu connais, là-bas il connaît, tout le monde a raison. Non, la vérité, elle est en toi. Et c'est toi qui vas savoir quand tu l'as. Et ce sera ton secret. Parce que tu vas vivre une expérience où tu es terriblement sincère avec toi-même. Tu ne te racontes plus d'histoire à toi-même. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Et tu aimes sans condition. Parce que tu ne veux rien de l'autre. Tu n'attends rien de l'autre. Il y a une voie qu'on peut aborder beaucoup plus profondément. C'est au sujet de tout le comportement interne qui se passe. Et ça, ce sont nos pensées dans nos têtes. Il faut aller voir si on peut les voir. Si on peut les voir venir avant qu'ils nous fassent faire ce qu'on ne veut pas, de les intercepter. Mais est-ce que ces pensées nous appartiennent? Justement. Est-ce que tu penses que ça nous appartient? Non. Non? D'accord. Et toi, tu penses que ça t'appartient les pensées? Non. Est-ce que les pensées que tu as dans ta tête, ça t'appartient? Oui, c'est moi qui l'ai créé. D'accord. Madame, elle dit que les pensées qui sont dans notre tête, ce n'est pas la même. Hein? C'est mon point de vue. Oui, mais non, attends. Mais on est en train de discuter pour savoir, pour voir s'il y a une vérité dans tout ça. Non, mais c'est-à-dire que ici, il y a quelque chose de vrai. Parce que quand une pensée, c'est quoi? Une pensée, on disait au tout début, peut-être on en parlait un peu, que ce que tu es, en fait, c'est ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, ça a été emmagasiné. Et plus tard, c'est rejoué. Parce qu'il y a une situation qui arrive. Donc, tout ce que tu sais, c'est avec la pensée, les mémoires que tu connais, qui ressortent en pensée. La mémoire, c'est comme un entrepôt. Et la pensée dicte la mémoire. Donc, nous avons des pensées
qui nous dicte comment c'était. Donc, ce que nous vivons, ce que nous pensons, c'est ce que nous avons vécu. Et ça se réitère en soi. Donc, quand il y a un événement, ben, cette mémoire nous dit comment il faut réagir. Donc, la mémoire que tu as en toi, tu en as une qui appartient à tes expériences. Tu as fait des expériences, et tes expériences te disent, ben, moi, hier, j'ai souffert, et là, j'ai pas envie de souffrir, je vais faire autrement. Donc, je vais faire différemment. Donc, c'est quelque chose que tu penses être à toi. Mais par contre, ce que tu as pensé pour faire ça, c'est que tu l'as puisé dans ce que tes aïeux, t'es très loin dans l'histoire de la race humaine, ont t'a refourgué. Parce que tout ce que tu sais, tout ce que tu es dans ton ADN, c'est le passé. Un passé que tu refourgues à tes enfants. Et les enfants refourguent à leurs enfants. Et ainsi de suite. Donc, tout ce que nous avons, la pensée, la conscience que nous avons, c'est quelque chose de commun à l'humanité. Ça n'appartient à personne d'autre que nous. Nous avons fait ça. Et donc, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons concocté à travers l'histoire de la race humaine, nous avons mis ça dans une conscience, et la conscience, elle est obstruée par ce que nous savons. Donc, la conscience d'aujourd'hui, elle est en crise parce qu'elle n'est pas neuve. Elle est vieille de millions d'années. Et on répète encore toutes les choses. Donc, cette conscience dans laquelle tu as puisé pour être ce que tu appelles moi, tu as dit ça, c'est moi, mais tu as puisé dans cette conscience. Et cette conscience devient nous. Nous sommes la même chose, chacun. Donc ce moi, ce que tu es, cette histoire que tu as vécue, c'est un passé qui se réitère d'instant en instant. Et tu en as fait ça, ton identité. Tu dis ça, c'est moi. Oh, ce que tu dis être moi, n'est pas toi. C'est un passé. Ce que tu étais, ce que tu as vécu, maintenant, c'est pas toi. Ce que tu as vécu, c'est l'histoire que tu as eue. Mais ce que tu es maintenant, est-ce que tu peux le vivre? Et arrêter de prendre l'existence que tu as à partir de références d'hier. Donc de dire, je suis une fille, je suis un homme, je suis ceci, je suis cela. Tu es rien.